Salut à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ExoGate Initiative. Donc je fais une vidéo sur la dernière version. Une version qui a patché pas mal de choses, qui nous a permis d'avancer un petit peu dans le jeu, du moins pour moi, dans mon cas. Mais qui comporte encore quelques petits soucis. Alors, déjà, la première chose qui a été faite, c'est ça. Tout a été corrigé au niveau de l'utilisation. Ben oui. Les tapis fonctionnent toujours tout seuls. Mais vous voyez, voilà. Les soldats, les scientifiques, les universitaires, tout le monde utilise tout le matériel pour faire évoluer leur force mentale et leur force physique. J'ai toujours du mal à voir l'intérêt de ça parce que ben, ça les aide pas tant que ça. Et surtout, très peu. Mais rarement. Au début. Et puis au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui s'en sert. Donc c'est un peu dommage. Au niveau de l'infirmerie. Alors, il y a une petite chose à faire, c'est ça. Le médecin qui est assigné au bureau, il se passe un problème. Je vous ai dit que les tics sont de 1h30 à 1h30. Le médecin qui est assigné au bureau, il va partir, il va vouloir venir discuter avec quelqu'un, il va vouloir... Et puis hop, il est rattrapé parce qu'il ne marche pas assez vite par rapport à l'heure. Donc il faut les désactiver. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a un risque, le cœur, avec l'information comme quoi il y a une maladie, il est blessé, il est en état dépressif, voilà, et bien vous assignez l'autre médecin, ou le médecin qui est dans le bon état, et tout va se régler. Ça va être même plutôt rapide pour régler la dépression. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup joué. J'ai dépassé le million sans avoir fini cette mission. Je vous rappelle que je suis en... ah ben oui, il est fou. Voilà, ouais, je l'ai raté. Je ne suis pas allé assez vite. Donc je suis bien en mission libre. Mais à partir d'un certain moment, lorsqu'on découvre les reines Squarps, on a le COB, le mania de la finance, qui nous dit « faites ça ». Malgré ça, j'ai déjà 1 million. C'est même un peu... Certains disent que c'est trop facile. C'est potentiellement vrai. Regardez, la science... Alors, il y a quand même un problème. Il y a un gros défaut encore d'équilibrage. Vous allez récupérer des échantillons où... on a les échantillons biologiques ou les spécimens. Vous allez récupérer des objets, des échantillons qui ont plus de 100 points de recherche, voire même 150 points de recherche. La logique voudrait qu'on récupère une théorie épique ou légendaire. Non. Ça, c'est très mal foutu. Ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne fonctionne pas. Vous pouvez récupérer un rare avec 25 points, et la plupart du temps, avec plus de 100 points, vous allez taper un commun. Je l'ai signalé parce que pour moi, c'est pas logique. C'est un gros souci. Bon. Enfin, voilà. On arrive à avoir... J'ai pourtant, regardez, j'ai 89 000 de salaire. Hein, mais je fais tourner les brevets pour toujours en avoir suffisamment pour gagner de l'argent. J'ai eu un ou deux mois où j'étais en négatif parce que je n'avais pas suffisamment de théorie. Et là, ça dépend en fait de la carte dans laquelle vous êtes. Vous allez vous retrouver à des endroits où, regardez, là, il n'y a pas de science, là, il n'y a pas de science, 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 pas de science. Toutes ces planètes, si vous voulez voir ce qu'il y a derrière, il faut aller les explorer. Et donc, c'est pas que vous perdez du temps, mais si vous n'avez pas de science, vous êtes marron, d'accord? Vous ne gagnez pas de science, donc pas de potentiellement de théorie, etc., etc. Point important. Donc, bien évidemment, comme je vous l'avais annoncé, le glitch de mettre un mur devant la porte ne fonctionne pas. Ne fonctionne plus. Ils l'ont enlevé. Et moi, j'en ai profité. J'ai fait des tests. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait un long couloir. En fait, ce qui se passe, c'est que on sait que les Squarps, lorsqu'ils attaquent la base, ils ciblent uniquement les générateurs. Et je vous confirme, uniquement les générateurs. Pourquoi je dis ça? Dans ma précédente vidéo, dans toutes mes vidéos depuis le début du jeu presque, j'avais mis les générateurs ici.
Donc, à chaque fois qu'il y avait une invasion, ben, ils se rendaient directement ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsqu'ils sont arrivés dans la pièce, j'ai construit des murs. J'avais rempli tout ça. Et ben, bizarrement, ces murs-là, ils les ont jamais détruits. Ils sont jamais sortis. Le chrono tournait, ils sont restés 3 jours dans la base et j'ai dû arrêter, reprendre une sauvegarde parce qu'il n'y a rien qui se passait. Mais rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé la pièce, je ne vais pas reconstruire parce que ça me coûte. J'ai creusé tout le long, puisque creuser ne coûte rien. Et j'ai installé mes générateurs ici. Alors, les squares venaient. Mais en fait, je me suis dit, non, c'est pas une bonne chose. Voici la seule solution et je peux vous assurer que j'ai plus. Alors, ils passent toujours parce qu'ils viennent à 8. Mais voilà, j'ai 6 soldats, 3 de chaque côté, c'est un goulot. Et on s'en sort. Et on s'en sort. Alors, il y en a toujours un ou deux qui arrivent. C'est pour ça que j'ai un emplacement vide. Parce que lorsque vous voyez la barre descendre, hop, vous faites ça. Vous le déplacez. Ben oui, il faut. Ben oui, il faut ruser le jeu. Hein. Voilà. Donc, pour le moment, alors j'ai tout un équipement d'armure légère. J'ai aussi un équipement d'armure lourde. On va attendre parce que j'ai une invasion justement, je crois qu'il a été annoncé. Ou alors on l'a repoussé déjà. Oui, elle a été repoussée. Donc, alors le fait de faire de l'argent, voilà ce que ça a permis. Et ouais. Je vous rappelle que tout ça, ça coûte beaucoup d'énergie. Hein. Regardez. 9100 d'énergie produite. Hein. C'est hallucinant. Hein. Mais ben, j'ai des ressources. Alors, ces ressources, on peut les vendre. Je trouve que les prix sont vraiment très bas. C'est pas normal d'avoir 136 sur du maglam et 1300 sur de la stérile. Bon alors, on a besoin de votre aide. Abe, elle se comporte bizarrement, je ne sais pas comment dire ça autrement. À cause de ce livre, n'est-ce pas? Comment est-ce que... Oui, c'est le livre. Il y a quelques jours, elle a commencé à parler de déesses prises dans des blocs de lumière. Elle disait qu'on devait vous croire en l'inévitable. Elle n'arrête pas d'essayer de nous convertir. Vous avez essayé de faire ce qu'elle vous a dit? Non, absolument pas. Elle nous a dit qu'il fallait accomplir un rituel pour devenir de vrais croyants. Elle refuse de nous dire ce que ça impliquerait. Alors, il... On n'a plus beaucoup d'options. Dites-lui que vous ferez tout ce qu'il vous dit. Ok, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Je veux que ce soit noté dans le rapport. D'accord. Il veut qu'on touche le livre afin de transcender et d'atteindre son niveau de conscience. Demandez-lui de vous lire des passages du livre plus tôt. Il vient presque de donner un serment, mais je crois que ça l'a calmé. Il a parlé de déesse de la lumière, d'un instrument de musique, d'un œil passé d'une génération à l'autre. Je crois qu'on commence à comprendre son point de vue. L'inévitable, le cosmos, toutes ces choses, cette voix que j'entends, qui est-ce? C'est votre divinité, maintenant faites ce que je vous dis et écoutez votre XO. XO, c'est vous? Vous êtes vraiment une divinité? Attendez, qu'est-ce que je raconte? J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que j'ai dit? Le livre m'a fait perdre la tête, XO. J'ai l'impression d'avoir été drogué. Ne vous inquiétez pas, et vous savez qui... Oh là 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 là. Bon, j'espère qu'ils vont corriger la traduction parce que c'est horrible. Assommez-le avec le livre, mais retenez bien votre respiration. Non, on va essayer de l'assommer sans s'approcher du livre, peut-être, non? Qu'est-ce qu'on fait? C'est fait. J'espère que ça va aller maintenant. Ramenez le livre avec vous. Faites attention à ce que la caisse soit bien scellée. Compris, le livre est dans sa caisse de transport, on est en sécurité. Alors bien évidemment, moi, il faut que je fasse une chose en urgence. Mais oui, parce que j'avais oublié. Alors, on va le mettre ici. Hop. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as autant de bibliothèques? Parce que c'est l'histoire des aliens, ça. Non, c'est ça. Lorsque vous explorez une planète alien, donc une planète avec ce petit, une forme de vie intelligente, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes neutre, soit vous êtes amical, soit vous êtes hostile. En fait, c'est plutôt eux qui sont hostiles envers nous, hein, c'est pas nous.
Donc, les planètes hostiles, il faut envoyer une équipe de soldats. C'est pour ça que j'en ai 6. Comme ça, j'ai 2 équipes de 3 et je tourne. Les planètes amicales et les planètes neutres, on les étudie. Et lorsque vous... Bah, je ne sais pas pourquoi, hein, mais la dernière fois, celle-là, lorsque j'ai cliqué sur le « Assigner pack de données », il m'a demandé 8 bibliothèques. Non mais il se fout de ma gueule là ou quoi ? Bon, lui, il est fou. J'espère que ça va s'arranger parce que j'ai pas les moyens de... Enfin, j'ai pas les moyens. C'est pas les moyens financiers, mais j'ai pas envie de prendre quelqu'un d'autre. Bon. Il devrait arriver à le soigner. Il passait de la folie à la dépression nerveuse. Alors, moi, ce que je fais... Ouais, je pense que je l'ai laissé trop longtemps, donc... Elle va le soigner. Dans tous les cas, elle va le soigner. D'accord ? C'est pour ça que 2 médecins... J'en ai eu 3, j'en ai viré un parce que ben, je trouvais que ça coûtait beaucoup d'argent. Alors, pourquoi j'ai repris l'enregistrement ? Bon, alors, effectivement, c'est pour vous montrer ce que j'ai fait de ma base, mais pas uniquement. Ouais, il y a quand même... vous entendez ces bruits ? Je ne sais pas ce que c'est. Il y a personne qui tire. C'était peut-être ça. Mais bon, c'est bizarre, c'est énorme. C'est assez étrange. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, ben voilà. J'en ai encore un en dépression. Oh, ça faisait un moment que j'avais eu personne. Donc, je vais calmer un petit peu l'histoire de les envoyer. Il faut que je vérifie où est-ce qu'ils vont. Eux, ils sont là. Ils sont à combien ? Tous les 7 jours ou tous les 10 jours ? On va voir. Voilà. Bon, il y a une invasion dans 10 jours. Donc, je vais passer pour vous montrer cette invasion. Voilà. Comme on s'en attendait, hein, après cette histoire de livre, il a été diagnostif qui est fou. Alors, voilà, donc, j'ai mes soldats, eh, dépêche-toi à lui roupiller, eh, bien sûr. Il court pas, hein, il marche vite, mais il ne court pas. Il n'y en a aucun qui court jamais. Donc il prend son arme, il va se positionner. On en reçoit toujours 8, hein, c'est le maxi qui peut arriver. Et donc vous allez voir que bah, ça fonctionne. Hein. Par contre, j'ai pas compris pourquoi la porte elle s'ouvre. Donc là, je les surveille. Vous voyez, je fais comme ça, je les surveille. Et si j'ai besoin, je ne déplace un. Voilà. Et donc, les envahisseurs ont été repoussés. Alors, ça n'empêche pas que vous avez beau leur assigner des combinaisons. Les combinaisons, ils ne s'en servent qu'en exploration. Hein, à l'intérieur de la base, ils n'ont pas de combi. Donc, ils vont se soigner parce qu'il y a toujours des blessés. C'est pour ça que j'ai rajouté une deuxième cuve. Voilà, j'ai 4 blessés, comme d'habitude. Et donc le jeu fait un bug, c'est ça en fait. C'est qu'il ne s'est pas donné un ordre. Vous voyez ? Dès qu'il y en a un qui rentre et qui sort, les deux se lèvent. C'est comme ça. Mais ça va vite. Hein. Ça va très très vite. Alors même si le médecin donne des médocs, hein, je veux dire... C'est pas avec les médocs qui va soigner, c'est plutôt la cuve. Il n'y a que la dépression qui ne peut être soignée autrement. Elle est peut-être déjà soignée donc. Alors, je vais passer encore un moment parce que je dois envoyer SG-16. Voilà, donc j'ai SG-01. Donc, mon équipe de scientifiques, je tourne. J'ai 4 scientifiques et je tourne. Bon, donc vous voyez qu'ils sont tous les 4 niveau 10 parce que je les ai utilisés à mort. J'ai une équipe de... Alors je l'appelais géologue parce que ce sont des ingénieurs, mais ils font de la géologie, hein, ce qu'ils font. C'est pareil, j'en ai 4 et je tourne aussi puisque j'ai fait aussi beaucoup de fabriques d'objets. Hein, vous avez vu, j'ai tout plein d'armures. J'ai l'Uni1 qui est l'équipe d'universitaires, sachant que lorsque vous faites un premier contact sur une planète, vous êtes obligé d'en envoyer que 2 avec un soldat. Donc il faut en sortir un et intégrer un soldat, et ensuite, après cette première visite, le jeu vous dira, vous aurez l'option, si c'est neutre ou amical, vous pouvez retourner avec les 3 universitaires, ça ne change rien. Hein. Au final, le système de 3 scientifiques ou 3 ingénieurs ne fonctionne qu'avec ces 2-là.
les universitaires, un seul suffit. Mais bon, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Ou alors, vous envoyez une équipe de soldats pour apprendre à se défendre contre cet ennemi. Donc, on en est où ? Je vais lui laisser un peu de besoin social. Lui, il est bon. Et elle, elle est bonne, elle est prête. Parce que je suis prêt à atteindre le planète d'origine des Squarps. Et puisque j'ai le patcher, il est prêt. Et j'ai trouvé la planète. Où est-ce qu'elle est d'ailleurs ? Voilà, je l'ai trouvée. Au bout d'un moment, je me disais bon, que j'arriverais jamais à la trouver, puis finalement, si, j'ai réussi. Alors, lui, il est soigné. Elle est stressée. Alors, hop, on sort. Et on va mettre à la place. Donc, c'est facile quand vous avez des niveaux 10. Hein. Voilà, vous voyez ? Même les soldats vont lire. Donc là, maintenant, tout fonctionne bien. C'est plutôt sympathique. Ils ont parlé d'un livre, mais moi j'appelle pas ça un livre. Ou alors c'est un livre bizarre. Donc j'ai 5 artefacts. Bon, les amis, on est prêts. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner avec une équipe de soldats. Je vous le dis de suite. En plus, ils sont pas niveau 8, donc... Mais on va voir. On va voir comment ça se passe. Je préfère envoyer une équipe de soldats avec, bien évidemment, des armures lourdes, dont le patcher qui est celle-ci. Ok ? Elle a vraiment une gueule d'enfer. Ah, j'ai plus de stockage. Voilà, on a atteint et connecté la potentielle planète d'origine des Squarbs. Maintenant, on va voir comment se passe l'expédition. Voilà. On est sur la planète et on vous confirme que c'est bien d'ici que viennent les Squarbs. Il y a une énorme colonie à presque 30 clics d'ici. C'est une sorte de mégalopole et on peut y voir des paraboles sombres et de la lumière bleue. Ils doivent être en train d'ouvrir des exogates pour envoyer leurs troupes à travers l'univers, y compris vers notre base. Question. Comment ça se passe avec les patchers de Squarb? Le dispositif de déploiement aura assez de portée? Oui, je crois. Vu le nombre de générateurs que contient l'armure du patcher de Squarb, on devrait avoir assez de puissance pour déployer le SCP sur toute la colonie et même plus loin. En tout cas, j'espère, hein, parce que cette exo-armure est bien plus lourde que nos combinaisons standards. SCP? Squarb Conception Protocol. Je vais me rendre à la colonie seule. Infiltrer son centre névralgique et activer l'armure. Après ça, le SCP sera diffusé dans toute la zone, uploadant le patch dans le système de leur commandant. Il traversera aussi toutes les exogates ouvertes jusqu'à leur colonie et leur mission sur d'autres planètes. Vous survivrez ? J'espère. L'armure est faite pour me protéger des attaques de Squarb. Mais qui sait sur quoi je pourrais tomber en chemin ? Est-ce que je devrais garder la gare ouverte afin que le signal atteigne aussi la base ? Non, c'est trop risqué, je pense. Et le signal n'aura aucun effet sur les drones. L'idée est qu'il atteigne suffisamment de commandants pour qu'ils modifient leur ordre et qu'ils puissent transmettre ces nouveaux ordres à tout le monde. Compris. On doit encore décider de la configuration du protocole ou de ce qu'on voudrait que les Squarbs fassent plutôt que d'envahir notre base, si vous préférez. On a préprogrammé 3 options de déploiement, qui sont... Première option, on les fait cesser leur invasion et on leur fait oublier notre existence. Ça ne les empêchera pas d'envahir d'autres mondes en revanche. Qui plus est, on pourrait les recroiser lors de nos futures missions, donc il faudrait faire attention. Ensuite... Deuxième option, on lance un nouveau protocole qui stipule qu'ils ne pourront plus jamais nuire aux êtres humains, mais encore une fois, ça ne mettra pas fin à leur guerre contre d'autres espèces. Ça va aussi créer un énorme déséquilibre en notre faveur entre nos deux espèces. Ceci dit, ça pourrait nous permettre de les surveiller discrètement. Mais si plus tard nos descendants veulent les anéantir, rien ne les en empêcherait. Et enfin, troisième et dernière option, on les fait se désactiver. Ils n'envahiront plus notre base et n'embêteront plus personne. On pourrait même étudier les restes de leur civilisation, mais ça revient à les exterminer complètement. Ouais, allez-y, on les fait se désactiver. Vous confirmez ? Ouais. Compris que ça, on va configurer le patcher. Que doit faire le reste de l'équipe ? Escortez-la jusqu'à mi-parcours. Alors, au final, j'aurais pu envoyer un scientifique avec les deux autres soldats. Mais comme je savais que c'était une mission dangereuse, mystérieuse,
J'ai préféré envoyer 3 soldats. Bon. Vu les interférences qu'il y a autour de la colonie, je ne crois pas que je pourrais appeler pendant la mission. J'essaierai, mais je doute que ça fonctionne. Mais tout va bien se passer. Bum. Dans un jour, elle va nous recontacter. Finger cross, les amis, finger cross. Allez, il faut réussir cette mission. Alors, si je suis bon, un bon XO, hein, c'est surtout ça, hein, parce que... Et l'autre est toujours à l'hosto. Je crois bien que le patcheur de Scorp vient de s'activer et d'envoyer son signal. De la foudre est partie vers le ciel et un orage s'est formé au-dessus de la colonie. Des éclairs d'un bleu vif illuminent l'horizon. J'ai l'impression que les Scorps sont en train de se désactiver en masse et de s'écraser au sol. Je peux entendre des explosions, j'espère que Ashley va bien. Je vois toujours ces signes vitaux. Oui, et ça faisait quelque temps qu'on n'avait plus aucun signe, donc ça suggère aussi que les interférences se sont dissipées. Je crois bien qu'elle a réussi sa mission. Vous avez pu l'assister ? Quelques drones qui patrouillaient la zone nous sont tombés dessus, mais je crois qu'on a réussi à les éliminer avant qu'ils ne puissent alerter les autres. Faites-moi signe dès que vous avez de ces nouvelles. Les invasions ont cessé alors ? On le saura bien assez tôt. Voilà. Alors moi j'avais pas besoin de sous, hein, mais je vous avoue que c'est long quand même. Hein. Toute cette partie là, elle est très très longue. Mais vous regardez. Avec le nombre de brevets que j'ai fait, je gagne 90 000 par mois. Sans le comité, hein. Bah non, hein, le comité on s'en fout. Hein. Ils ne servent à rien. Ouais, je vous ai dit. Bon, il est en train de se remonter. Non, mais c'est long. C'est ça le problème. C'est que c'est très 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 long. Ça monte vraiment de 10% par 10%, on dirait. Ça va faire 2 jours qu'Ashley a déployé le patcher. On est toujours sans nouvelles, XO. Wilson, répondez. Scannez l'horizon. Aucun signe de lui, d'elle. Ashley Wilson au rapport. Mais où est-elle? Et maintenant, vous m'entendez? Où est-ce que vous étiez? Ben, j'ai quitté la colonie, je suis sur le chemin du retour, mais je ne sais pas pourquoi mon signal ne passait pas. Les retombées de l'explosion, peut-être. Mais au cas où, vous ne l'aurez pas encore remarqué, la mission était un succès. Hein. Laissez-moi vous dire que le déploiement du patch a secoué. Débriefons rapidement. Les commandants Squarb ont reçu le patch et l'ont déployé comme on l'avait espéré. Peu de temps après, ils ont commencé à s'éteindre et à tomber du ciel. Les drones, leurs commandants et même de nouvelles unités qu'on n'avait encore jamais observées. Vous avez dû entendre des explosions qu'ils causaient en s'écrasant au sol. Je les ai exterminés. Hein. Vous avez fait ce qu'il fallait. Merci, XO. Rejoignez les autres, que vous puissiez rentrer à la maison. J'espère que ça en est fini de leur invention. J'espère aussi. Oh, la gueule de la combi, quand même. Non, mais oh, 4000 d'XP et elle a pas monté de niveau. Mais c'est quoi ce bordel? Vous et vos équipes avez fait ce qui devait être fait. À mes yeux, vous êtes de véritables héros et héroïnes. Le monde vous est à jamais redevable. Et croyez-moi, je m'y connais en dette. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment bien fait de vous embaucher. Et vous, d'embaucher vos équipes. Continue comme ça, XO. Alors, je sais pas si vous avez vu, hein, mais je suis en 2062. Hein. Je sais pas combien d'années est passé. Hein. Je vous avoue que j'ai pas vérifié. Mais ça fait quand même pas mal. Hein. Par contre, il y a un petit truc qu'on n'a pas noté. Les salaires, ils bougent pas. Hein. Je crains qu'ils nous le mettent. Ben oui, parce que s'ils nous mettent des augmentations de salaire tous les ans, par exemple, ça va piquer. Hein. Ça va piquer. Bon, alors j'ai pas fini d'explorer, hein, puisque vous voyez qu'on a... Il y en a beaucoup encore. Hein. Il y en a beaucoup, mais je suis arrivé au bout, là. Hein. De ce côté-là, je suis arrivé au bout. Ici, pas encore. Donc, après, ben voilà, hein, on explore. Hein, voilà, j'ai 5000 points d'influence, hein, j'ai plus beaucoup d'énergie, donc il va falloir que j'en redépose. On va déconnecter la planète des Squarbs, on s'en fout. Ici, SG1 est en mission. Il faudrait que je trouve d'autres planètes aliens. Le problème, c'est que je ne peux pas envoyer mes universitaires au niveau 9. Parce qu'ils ne sont pas niveau 9. Ils sont très très loin. Vous voyez, j'ai du niveau 7, du niveau 6. Alors le 6 peut-être peut passer, mais il faut que je... Ouais. J'ai du taf. Donc, uni, ils sont 6. Donc 7, ça peut passer. Mais 9, pour le moment, c'est trop haut. C'est un peu trop low. C'est un peu trop haut. Donc là, par contre, mes soldats, j'en ai plus besoin. Enfin, j'ai plus besoin des 6. Je vais quand même les garder parce que j'ai de l'argent, mais je pense que je n'aurai plus d'invasion. Et vous voyez quand même, ben ouais, il y a un petit souci. C'est que cette porte-là, elle ne se ferme pas si elle est au bord.
Pourquoi? Parce qu'il y a les deux armureries, les armoires à armes. Donc, le jeu a bien progressé, mais il souffre encore de quelques petits soucis. Bon, c'est pas trop grave, hein, mais c'est quelques petits soucis. Voilà, allez, j'en arrête là sur Exogate Initiative. Je reviendrai vers vous parce qu'ils ont donné leur roadmap. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu comme il faut. Bon, hein, je suis passé. Alors, par contre, lui, qu'est-ce que j'en ai pas besoin, moi. Bon, je verrai ce qui se passe, mais j'en ai plus besoin. J'aime bien ce qu'ils ont voulu faire. On se prend vraiment à être dans Stargate et la Porte des Étoiles, d'envoyer nos équipes d'ingénieurs, de scientifiques, de soldats, etc., etc. Je comprends, comme je l'ai dit, qu'ils ne peuvent pas plagier trop parce que sinon ils se feraient tomber dessus et on leur demanderait des sous, hein. C'est ça, c'est un petit studio, hein. Donc ils ont reçu des financements pour faire le jeu. Mais sinon, c'est vrai, c'est sympathique. Et puis quand on a compris que ben, voilà ce qu'il faut faire, on fait des économies d'argent. Et donc, ça permet d'aller de tenir plus longtemps. Maintenant qu'ils ont corrigé tout ça, ça fonctionne mieux. Donc, je repartirai une partie parce que moi, mon problème, c'est que ils n'ont pas monté là. Et non, ça ne fonctionnait pas tout ça. La perception... Les scientifiques étaient les seuls à utiliser le shooting range, le champ de tir. Le problème, c'est que ça montait pas suffisamment et le reste n'est pas monté du tout. C'est pour ça qu'ils peuvent être malades en dépression plus facilement. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il est niveau 10, il ne gagne plus de... Ah non, terminé. Il a beau avoir la double, vous voyez ? Précédemment, quand vous ciblez quelqu'un, il est indiqué cet attribut augmentera. Mais là, ben on vous met rien parce qu'il ne peut plus gagner d'expérience. Il est au niveau maxi. Donc, il faut essayer de faire le plus possible l'installation rapidement de tout ça. Alors ici non, parce que ça n'apporte aucune expérience. Ça oui, et ensuite, pareil pour les ingénieurs. Les ingénieurs utilisent beaucoup. Regardez, c'est dingue, hein. Tous mes ingénieurs, je les voyais tout le temps utiliser les livres. Alors les universitaires aussi. Eh, ils ont monté tout à 10. Donc, tous les autres points qu'ils gagnent maintenant, en faisant d'autres activités, à chaque fois qu'ils montent de niveau, ça leur permet de monter le reste. Donc maintenant, en fait, j'ai plus besoin de garder les tables. Les deux bureaux, plus personne s'en sert. Il y a juste un truc, je n'ai toujours pas débloqué le diplomate, donc ça veut dire que c'est pas encore disponible dans le jeu, voilà, et c'est ce que je pensais. Donc ça viendra probablement plus tard, même si c'est déjà implémenté dans les histoires. Alors par contre, j'ai aussi noté un truc. J'ai exploré une planète, je sais plus quand, par ici, peu importe, une planète de niveau 3, et j'ai rencontré les fleurs qui crient. Où on a les gars qui j'en ai plein les oreilles, hein, etc., etc. Bon, le problème c'est que mes trois scientifiques, vous les avez vus, hein, ils utilisent ça eux. Ils utilisent les armures lourdes, qui sont ici et pour lesquelles j'ai tout débloqué. Résistance au froid, spécialisation aquatique, résistance à la chaleur, aux radiations, au magnétisme et à la gravité. Et ce sont des armures lourdes. D'accord ? Bon. Eh bien, ils sont revenus avec des dommages. Dans une précédente partie, j'avais déjà trouvé cette planète. Ils y étaient allés sans armure. C'est normal qu'ils prennent des dommages. Mais avec une armure, j'ai prouvé que ça, c'était juste. Hein. Bon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo d'Exogate Initiative. Amusez-vous beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye.